que de gauchiste. Posez votre question. Ah bah tiens, tu veux que je te pose des questions de gauchiste aujourd'hui? Oh non, putain. Il y a 15 ans, je voulais déjà faire de la politique. La politique, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours adoré ça. Et alors après, c'est vrai que quand t'as un gamin de 12 ans qui est passionné par la politique, t'as forcément le mauvais débile de la famille qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être président de la République quand tu seras grand ?» Allez-y, monsieur le journaliste, faites votre joli métier. Ça commence bien. Monsieur le Premier ministre, vous êtes de droite. C'est vrai. Ah, vous êtes toujours de droite? Ah, je crois. Hein? Ah, j'en sais rien. Il y a un projet global d'assumer une France dans le monde tel qu'il est, la moderniser à certains égards. Alors évidemment, après, moi je dis la moderniser, toi tu vas dire la défaire ou la libéraliser. Bon, voilà. Depuis qu'on se parle, c'est des taches qui apparaissent. J'ai vu l'apparition de ces taches blanches. Et c'est l'impact aussi, si tu veux, ce qu'on fait à l'intérieur, ça... Ben moi qui te filme assez régulièrement depuis deux ans... Tu vois vieillir. Eh oui. Ouais. Ben, si je prends les premières images de 2004... Sûr, moi je ne te filme pas, mais je te vois en face de la caméra et t'es pareil, hein, fais pas trop le malin. Ce qu'on ne peut pas dire... L'épidémie est sous contrôle. On ne peut pas le dire, ça. Non. Si dans deux jours, il y a une dégradation et que tu as annoncé du beau temps, on le reproche. Putain, je suis fatigué. Ce jour, 382 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation. Je t'ai vu très inquiet, je te connais assez bien pour voir que tu avais une vraie inquiétude. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est encore là. Alors, elle, comme toujours, les inquiétudes, elles passent du... C'est comme ma mère. Ma mère, elle est toujours inquiète. Alors, une fois qu'on a répondu à l'inquiétude, bah, celle qui était en dessous devient la première, et elle est toujours au même niveau d'inquiétude. et bah, en fait, c'est pareil pour moi.